Bonjour, bienvenue au Parc des Princes où je me trouve en compagnie de Pierre une fois de plus. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face à Lorient. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un résultat nul à l'extérieur face à Guingamp. Ouais, un nul, un partout, mais je sens que cette équipe est en mesure de s'imposer face à cet adversaire. Le Parc des Princes qui en 2016, outre les matchs du Paris Saint-Germain, a accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe. Oui, 4 matchs de groupe et un 8e de finale. C'est devenu un stade magnifique et ultra moderne. Un redoublement de passes pour créer de l'espace. Krikoviak. Draxler. Ouais, la bonne circulation du ballon. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le tir. Ah, c'est au-dessus, mais elle n'est pas passée loin. Rappelons que c'est tout simplement la meilleure équipe actuelle du championnat. C'est l'équipe à battre, c'est clair. À chaque match, elle doit défendre son statut de leader. Thiago Silva qui dégage. Draxler. Cavani. Les Parisiens qui vont. A déjà le premier coup de sifflet. Oui, elle a intercepté cette passe de Cavani. Maxwell. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Elle a peut-être une bonne occasion. Il prend sa chance. Le gardien qui sort le grand jeu, vraiment, sur cette action. Le PSG qui obtient un corner. Ballon boxé avec un tir. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Le PSG va jouer cette touche. Maxwell. Matuidi. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal, hein, comment les joueurs du PSG pourraient être. Ouais, coup franc, bien sûr. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Aurier. Alors Pierre, que va-t-il nous réserver aujourd'hui? Voilà, quelqu'un qui aime bien jouer en attaque, hein, quand les circonstances l'exigent. Pour apporter le danger et puis déstabiliser l'adversaire. La frappe. Ah non, cette occasion qui s'envole. Et on reste sur un score de parité donc. Da Silva. Cavani. Il a choisi de redonner à Matuidi. Toujours 0-0, les Parisiens vont devoir en faire plus, hein, s'ils veulent ouvrir la marque dans ce match. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. La remise directe, c'est bien vu. On s'approche de la zone de vérité. Touche pour les joueurs de la capitale. Draxler. Ils construisent. Ils font tourner. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, très bon coup franc, cette faute commise dans une zone dangereuse. Oh, il peut s'en vouloir, hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste, il y avait vraiment autre chose à faire là.
Jimmy Cabot. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. Ah, c'est bien donné ça. Jimmy Cabot. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. C'est donc reparti pour la seconde période de ce match. Les joueurs qui ont, on l'espère, rechargé leur batterie à la mi-temps. Jimmy Cabot. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. eSports nous permettra de suivre un match de Ligue 1. Avec cette rencontre, le PSG accueillera Nice à domicile. Ouais, une rencontre qui gelée. Attention à la frappe. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ah, c'est une perte de balle. Allez, peut-être une bonne occasion. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Verratti. Le tir, non, c'est contré. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. André Di Maria. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Marco Verratti, il prend sa chance. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Ouais, la frappe. Ouais, le tacle qui met fin à cette action. C'est un corner à venir. Oui, dans la course. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Patudi. Verratti. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Oh, la faute commise au mauvais endroit. Changement avec la sortie de Matuidi. Ouais, le bon ballon là pour le Paris Saint-Germain. Et de nouveau un corner. Alors que s'affiche cette statistique sur les corners. Choisit la frappe. Pas de problème pour le gardien. Le gardien donne un sourcil à son équipe, il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Alors, ça n'ira pas plus loin. Toujours ce score nul et vierge dans cette rencontre qui va bientôt se terminer. C'est quoi le prochain match au programme de cette équipe, Pierre ? Oui, le PSG va affronter l'OGC Nice ensuite. Je dois avouer que j'étais... Allez, l'occasion de passer devant. Et le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe en toute fin de match.
Le PSG qui va certainement faire la décision en toute fin de match. Ce n'est plus qu'une affaire de minutes désormais. Et Hervé, maintenant il faut rester bien en place, être vigilant. Enfin, on a quand même l'impression que le PSG a fait le plus dur. Voilà, le score qui est donc enfin défloré dans cette seconde période. Steven Moreira. Et bien l'intervention, changement de possession. Une, deux. Marquinhos. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Gonzalo Gomez. Et corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. Attention à la frappe. Oui, le centre peut-être. La frappe. Ah, ça va rentrer, ça y est. Ah, elle était vraiment difficile à prendre, hein, cette balle. Elle est magnifique, à ras de terre. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. On n'est jamais à l'abri. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. 3 points de plus dans ce championnat. C'est bon à prendre. C'est un match de Coupe de la Ligue qui nous est proposé aujourd'hui. Oui, ça devrait nous donner un match spectaculaire. Cette rencontre va nous permettre de suivre le club de Bourg-en-Bresse face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui avait dû se contenter d'un nul à domicile lors de son dernier match face à Nice. Un nul sur le score de 1-1, mais je pense que les joueurs sont capables de s'imposer dans ce match. On va bien sûr suivre de près Edinson Cavani. Ça, c'est toi qui le dis, Hervé. Moi, tu sais, je le trouve tellement maladroit dans la finition, mais c'est vrai qu'au niveau des appels et de ses déplacements, c'est vraiment pas mal. Pour arbitrer cette rencontre, nous allons retrouver au sifflet M. Gvidon Pietrzykowski. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a choisi densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger.
Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, le ballon qui est perdu. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Le redoublement de passe pour créer de l'espace. Il s'avance vers la surface. L'attaquant est passé. C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. Bon, le carton jaune. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Maxwell. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Il perd le ballon. Edinson Cavani. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Avec un tir. Oh, il attrape le... Christopher Nkunku. Ouais, sur le fil, mais il est hors-jeu sur cette situation. Ouais, c'était pas un bon ballon et son mauvais contrôle lui fait perdre la possession. On s'approche du but. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Passe en profondeur. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. Corner. Allez, pourquoi pas un but pour prendre l'avantage au score. Il est dépossédé du ballon. Del Castillo. Allez, encore une passe. Attention à la retombée. Ils vont pouvoir jouer la touche. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Nkunku. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il a du champ devant lui. Allez, il est passé. Ça va être dangereux. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais non, finalement, ça a été intercepté. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Brice Abdoulaye. Le quart de finale qui reste toujours aussi ouvert après 45 minutes de jeu. La rentrée de Marco Verratti. C'est reparti dans ce match de Coupe de la Ligue. Début de la seconde période à l'instant. Ouais, bien joué la remise.
Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien. Edinson Cavani. Et le but inscrit par Edinson Cavani. Un but plein de spontanéité, la frappe était parfaite sur la droite. Et avec ce premier but, le match risque de prendre une autre dimension, on l'espère. Brice Abdoulaye. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Del Castillo. Allez, qui va reprendre ce ballon? Edinson Cavani. Konko. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Et ce serait pas mal, oui. Jolie séquence de passe. Et ce ballon qui est perdu. Il prend sa chance. Oh oui! Ils prennent de l'avance, hein, ils vont bientôt prendre le large. Et le ballon qui a filé juste sous la barre. Le gardien, c'est vraiment ajusté au millimètre. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera le Stade Rennais à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Thomas Meunier. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Il s'avance vers la surface. Ouais, la frappe. Le ballon qui sort. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Brice Abdoulaye. Et Aurier est là et intercepte. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ouais, bien joué. Et la voilà, la frappe. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. La voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Ouais, un bon ballon d'attaque. Berthomier. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque. De l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. L'équipe qui joue son va-tout et qui va se ruer à l'attaque maintenant. Cavani. Le tir. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué. Il a raison de tenter. Hein. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. ...2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre, hein, de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter le Stade Rennais après ce match. Le bilan est positif pour les joueurs qui ont su bien gérer ce match. En plus, l'entraîneur peut être satisfait. Ballon qui est sorti en touche. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, dommage, talonnade interceptée.
Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Kurzawa. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Le PSG qui combine. André Di Maria. Ouais, quel but! Oh, magnifique! On revoit le but qui ne fait que confirmer une victoire acquise plus tôt dans ce match. Ah, c'est quand même un peu dur pour l'adversaire. Ça fait plaisir à voir. Hein. Le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on ne va pas s'épater pour ça. Ça devrait toujours être le cas au niveau pro. Hein. 3-0, ils prennent le large. Et voilà, c'est terminé à l'instant. Belle victoire hein, sur ce score de 3-0. L'obstacle des quarts de finale franchi. Place au demi maintenant.